Bref, je suis arrivée au Nymphéa, c'était le Covid. J'ai créé un projet, programmé des artistes, c'était le Covid. J'étais super motivée, j'ai rencontré plein de gens, en visio. J'ai préparé plein d'événements, on pouvait pas les faire. J'ai créé une chaîne YouTube, on a fait des vidéos. J'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. On a pu retravailler normalement, j'ai monté des expos. On a présenté du dessin, de la peinture, de la sculpture, des installations, de la photo, de la vidéo. On a organisé des spectacles, du théâtre, de l'impro, de la Mario. Beaucoup de Mario. Dans les murs, hors les murs, dans la rue, à la bibliothèque, dans les écoles, partout. Les ateliers ont repris, au Nymphéa, à la bibliothèque, dans les rues, au ranch, à Emmaüs, partout. On a tenu des stands, sur des salons, participé à des festivals, investi les ortillonnages. J'ai bougé tous les meubles, fait le tri par le vide, peint les murs, peint les portes, mis des plantes, un aquarium. J'ai enlevé l'aquarium, l'école a récupéré l'aquarium. Ils ont découvert les axolotes, ils sont devenus fans des axolotes. On a soutenu des artistes, proposé des résidences, des marionnettes, de BD. On a soutenu des créateurs, proposé des stages de mosaïque, de macramé. J'ai géré des galères, plus de chauffage, trop de chauffage. Plus de four, du matériel à remplacer, un secrétariat fermé, mais j'ai rien lâché. Ces 3 ans nous ont enthousiasmés, épuisés, on a tout donné, mais on est prêt à recommencer. Bref, je travaille au Nymphéa.